Bonjour, c'est Gadi, bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 12 du Let's Play de Minecraft Le Village Maudit en compagnie de Farah, Rick et Bank. Coucou. Alors, comme vous voyez, je suis de sortie. En fait, on va pas aller dehors, mais par contre, j'ai refait mon stuff pour pouvoir partir en grotte. Donc, protection 2, protection 3, fire protection 2 et fire protection 1, protection 1 et unbreakable 2. Donc, je suis bien stuffé. Ma pioche efficiency 2 plus une efficiency 1 au cas où. Un seau de flotte, une charpnesse 2 en diams, il y a un peu de bois, un peu de terre, un peu de table de craft, donc normalement... Alors, vous, par contre, je vous conseille de bien vider votre stuff, pas comme à l'épisode 10 ou 9, je sais plus, hein, où vous étiez parti en balade avec tout le stuff sur vous, avec des émeraudes, hein, Farah, des émeraudes. Je vois pas de quoi il parle. Hein, c'est vrai qu'on sait jamais, on peut très bien tomber sur un parle, villageois à distance, hein, c'est jamais. Tu veux un coup d'épée dans ta tronche ou... Non, j'ai mes chiens, attention. Eh, je te rappelle que le... Attention, on regarde derrière toi. L'or que t'as sur toi là, qui est pas enchanté en plus, oui. Se casse en 2 secondes. Hein. Je sais, mais regarde derrière toi. Eh, tu sais en combien de temps ils vont mourir avec ma charpnesse? Tu veux qu'on essaye? Non, hein, on tape pas les animaux. Bon. Faudrait colorier aussi leur collier pour savoir à qui ils sont. Ils sont à deux à moi, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux rouges. Parce que on a 4 chats aussi derrière là, 5 chats, je sais plus. Moi j'en ai 4 et Rick en a 1 et les autres ils ont 0. C'est fait. Je sais pas si on peut colorer leur. Rick, il a voulu jouer RP, il a mis un pantalon en cuir. Ou alors c'est parce qu'il aime bien les. C'est un reste les de pantalons GTA. En cuir, il aime bien. C'est un reste les de pantalons GTA. En cuir, j'y vais avec ma moto. C'est un reste de GTA en fait, GTA Online. Moi je pensais pas que c'était avec ta moto, je pensais que c'était plus Sadomaso sur les bords, mais. C'est un reste de GTA RP, laisse-le. L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai que c'est double usage avec Rick, c'est ça qui est bien. C'est économique. Voilà. Bon, du coup, on va y aller. Il y a un villageois qui se fout ta gueule derrière. Ça y est, parti. Donc, en grotte. Quelques torches. Et quelques torches. J'ai 41 j'en torches. Ai, j'en ai 33, moi. Effectivement, donc les torches, il va nous falloir peut-être plus que ça. Hein. Peut-être un autre stack d'ailleurs. Je vais retourner j'en en faire. J'en ai 33, aussi, moi, hein, aussi avec moi. Hein. Ouais, mais si on va en grotte, un stack ça part super rapide. Hein. Donc, effectivement, je vais en refaire. Enfin, je vais en faire du comme ça là. Au minimum. Peut-être pas faire beaucoup en fait, une bûche. Une bûche donne combien de torches à votre avis? 4. Ouais, bûche, elle donne 8 bâtons, donc du coup ça fait 32 torches. C'est 4 torches, c'est pas 4 torches à la fois qu'elle donne? Oui. 2 planches donnent 4 torches. 2 planches donnent 4. Non, 2 planches donnent 4 bâtons. Oui, ouais. Donc 4 bâtons qui donnent donc 16 torches. C'est ça, donc c'est ce que je dis, une bûche et 8 cols donnent 32 torches. Voilà, c'est ça le calcul. Bon, enfin bref, c'est un détail, mais voilà. Du coup, je suis équipé aussi en torches, j'ai pris 32 torches, j'en ai 64 plus 9. On va partir là-dessus, je pense qu'avec nous tous, ça devrait aller. Sinon, au pire, Farah aura la gentillesse de remonter pour refaire des torches et redescendre. J'en ai 33 avec moi, donc on devrait avoir assez. Non, mais on va pas déconner, non. Bah, on sait jamais, hein. On va par où? On va par le... Alors, je sais pas si d'ailleurs les viewers avaient vu ça. Peut-être qu'ils ont pas vu ça. Je l'ai peut-être pas montré. C'est la salle de banque. Enfin, la cave de banque, où il y a la table d'enchant. Mais si, je l'ai fait en vidéo, ça va, si, ils l'ont vu. Sauf qu'on a oublié de le préciser. Il y a la table d'enchantement, il y a la table de pour les potions. Exactement. Par contre, on n'a pas encore fait de potions, hein. Vous avez vu, je sais plus quel épisode, qu'on a ramassé, qu'on a été dans le Nether, je crois que c'est l'épisode 8, je crois, ou 7, un truc comme ça. Mais vous on a quasiment pas vu, tout, je pense que j'ai même été dans un marais pour récupérer des slimes pour faire des potions de ah oui résistance au feu. Les blaze powder, effectivement. Exactement. Par contre, les slimes, attends, les slimes verts, ceux terrestres. Verts avec une poudre de blaze, là. Et du coup, t'as du slime, t'as du... Donne des boules de crème, et boules de crème donne de... voilà. Mais il te reste plus de slime pur? Si, j'en ai gardé dans le coffre à Redstone. Ouais, parce que pour les pistons, ça peut être pas mal. Mais bon, comme j'ai pas... Enfin. J'en ai formé que 9, du coup... juste dans le faire un piston, et... Ouais, mais attends, attends, non, les blaze powder, c'est pas ça. Effectivement, c'est des magma cream que t'as fait. Magma cream, ouais, pour voilà. Faire les potions de résistance. Je me mélange pas. Là, il y a les yeux fermentés, les melons, effectivement, avec de l'or. Ah, il y a aussi les poissons, effectivement, les poissons clowns. Les poissons lune. C'est poissons lune qui gonfle. Oui, pour les non, c'est potions de respiration. Oui, je me trompe pas, c'est ça. Plus les carottes, le sucre, effectivement. Et une larme de gaz que Rick nous a ramené. Exactement. Bref, on va quand même y aller. Par où on peut sortir? Par là? C'est par là qu'il faut aller?
Alors je crois que c'est à gauche. Oui, c'est ça. Bah, il est où, tu prends le petit portillon qui est il au fond. Non, mais comment il là, sait là, là. Ah, d'accord, ok. Ici, ici, ici. Eh ben, allons-y. Farah! Non, non, de l'autre côté, de l'autre côté. Ah! Là! Bah, tu dis à gauche, bah, on était à gauche. Oui, mais à gauche des ascenseurs. À gauche dans l'autre sens, quoi, tu... c'est ça? Voilà, à droite en descendant l'escalier, du coup. L'autre gauche. D'accord. Et donc, mais là, à gauche, en face de la table d'enchant, c'est ce que je voulais dire, mais j'ai pas eu le temps de finir. Il y a un mine shaft au bout, c'est ça? Ouais. Bah, qu'on a trouvé le jour où on a été chercher, pour ceux qui avaient vu l'épisode précédent. Ah, dans un épisode précédent. C'est ça, qu'est-ce qu'on a vu quand on a été chercher. Pour. Oh là, attention, derrière toi. Bye bye, bye bye. Ça commence je bien. Le sentais venir. Bon, bah, Farah, t'es pas très bon. Je sais pas pourquoi, mais à chaque épisode, Farah, il meurt. Par contre, vous avez fait une erreur. Les torches à droite, s'il vous plaît. Moi, j'ai trouvé un moyen, en fait, pour que quand c'est à gauche, ça nous pose moins de problèmes. C'est simplement, en fait, qu'on pose les torches par terre. Comme ça, quand elles sont par terre, en fait, ça veut dire on éclaire, mais on ne signifie pas qu'on est. Que c'est là, par là qu'on par terre, normalement, à l'origine. Moi, j'en avais mis par terre, mais. Ah, je vais être aussi par terre. Oui, donc quand on avait été chercher le. C'est quoi qu'il y a là-haut, là? Ah oui, c'est le bloc. Pour faire la porte du Nether pour Huawei. Et c'est par là que vous aviez été, d'accord? Parce que moi, j'avais pas voilà. vu. Voilà. Hein. Bon, Farah va revenir dans un instant, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, il y a un peu de fer que j'ai envie de prendre. Parce que. Si vous trouvez du fer, prenez-le aussi, hein, parce qu'on est à court de fer. Enfin, on... Non, on n'est pas à court, mais on en consomme plus que ce qu'on en récupère. Non, mais oui, parce que là... Et même du charbon, ouais, c'est... n'hésitez pas, quoi. Ah bah, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'on va faire. Mais par contre, où c'est qu'on va? Parce que là, c'est bouché, là. Ici, ici. Hop. Ah, j'avais pas vu. Magique. Attends, on va attendre Farah. C'est bon, Farah? Oh, on s'en fout, Farah. Il peut ouais. Non, je déconne. Ouais, ça va, j'ai compris. Eh, vous torchez pas assez par contre. Clairement, vous torchez pas assez, ça peut pop là. Alors, je me méfie quand même qu'il n'y ait pas un truc qui me donne sur la tronche. Et voilà, donc on a fait le minimum avec You la dernière fois. J'ai envie de mettre pour pouvoir accéder à la lave. Trois torches, au cas où on voit de loin et on a un doute. Normalement, non, mais. Alors là, il y a de la redstone. Est-ce qu'on prend la redstone? C'est toujours bon à prendre. Bon, on prend tout. Moi, je dis on prend tout parce qu'on est quatre, je crois qu'on comprendrait pas tout. Par contre, pour se repérer... J'entends des araignées, par contre. Ah. Alors, il y a un spawn araignée, ouais, à côté de là où on a trouvé la lave. Là, il y a eu un bloc là, qui a été mis. Je sais pas qui c'est qui l'a mis, mais... Alors, ce qui est bien aussi, c'est de ramasser des toiles d'araignée. Par contre, il faut une épée de merde, parce que moi, mon épée en diable, ouais, je vais pas le faire 36 000 fois. Hein. Sharpness 2, je vous rappelle que ce qui est pas si rare, au final. Mais dans le doute... J'ai besoin aussi d'XP, de fer aussi... Alors merci à Youth et Eric qui n'ont pas farmé, visiblement, effectivement. Ils m'ont laissé ce privilège. Ah. Les rails, si vous voulez prendre des rails aussi, tiens. Alors au-dessus, des charbons, là, masse. Ne jamais creuser au-dessus de sa tête, mais c'est pas grave. Attention à toi. Tiens, qui nous donne accès au-dessus de sa tête, c'est pas grave. Ah, il y a un villageois. Ah, c'est pas un villageois, c'est une sorcière. Oui. Ah, c'est une sorcière, ça. Ah, tu connaissais pas, je pensais que tu blaguais. Ah, jamais vu. Elle jette jamais des potions à la tronche, voilà. C'est bon. Alors d'ailleurs, t'as récupéré une potion. Elle a pas donné une potion de soin? Ouais, c'est une potion rouge, donc ça c'est... Potion de soin, soin instantané, ouais. Attendez, parce que là, il y a masse de fer encore, là. Enfin, masse de fer, il y a eu 3 blocs, mais par contre, charbon, il y a beaucoup plus. Je sais plus par où on les est passés... Oh, ah, t'as bien ta pioche fortune, hein, Banque. J'ai trois trains avec des coffres dedans, là. Ah oui. 3 ouais, ouais. Ah bah, ça sent le melon, ça. Là, par contre, il faut ramasser les rails, par contre, ouais. C'est clair. Et par contre, où t'as vu ça? Ah oui, ici. Vide. Ah, vous avez ramassé ce qu'il y avait dedans. Vide. Ah non. Attention, on a du lapis lazuli et 4 escaliers en cobble. Youpi. À mon avis, c'est un coffre qui a été pillé et pillé. Je pense qu'il est... Ouais, effectivement. Voilà, donc on casse tout. Farah. On récupère le... Je récupère les rails, moi, au pire. D'accord, ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce que sinon on va faire des stacks différents. Donc un petit épisode, vous avez vu Grotte, là, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Et que moi j'aime bien de temps en temps faire une petite grotte. Mais et non pas une ne petite... serait-ce que de la redstone, qu'on garde de l'expérience. Oui, la redstone, oui. Redstone, charbon. Oui, redstone et charbon, ouais. Attends, d'ailleurs. Voilà. Ok, poursuivons. Là c'est bouché. Par contre, il y a une toile d'araignée pour du fil. Allez, soyons fous. Une autre là aussi. Ça, on va jusqu'au bout. J'entends de l'eau pas loin, donc je suppose qu'il y a de l'eau qui coule. Où c'est qu'on peut aller là? Là, vous revenez sur vos pieds, j'allais dire, mais... Torche là aussi.
Ouais, voilà, donc si vous avez de quoi casser les fils, on sait jamais. Pour les arcs, ça peut être pas mal. Et notamment pour le dragon à la fin. Arc, canne à pêche. Alors, par contre, là, moi, j'ai l'impression que je. En fait, on. On est revenu au point de départ, ouais. Ouais, on revient. Il y a un zombie là. Là, on est revenu au point de départ. Ouais. Alors, attends, est-ce qu'il y a. Alors, c'est étrange, hein. Il y a dû y avoir du monde visité parce qu'il n'y en avait plus autant de torches. Et le chemin nous menait directement, justement, au spawn araignée. Derrière. Attendez, je vais faire un petit chemin, là. Voilà, qu'on va faire comme ça. Voilà. Donc là, il y a des torches à droite. Et eh ben écoute, ça n'a pas l'air super éclairé. Mais là, par contre, il commence à faire très noir au bout, donc... Par là, ça tourne. Rick. Ah, c'était pas là, mais... Là, on a des choses, effectivement. Et là, par contre, il fait très noir. Je sens le creeper qui va me tomber sur la tronche, si vous savez à quel point. Ça remonte là, il y a des... Ah bah si, c'était là. Donc le spawner araignée doit être... Ah oui, effectivement. Et là, le spawner araignée est ici. Et ici, attention. Soyez prêts, hein. Pas de fail. Farah. Voilà, merci. Parce que là, il faut poser des torches vite fait sur ce spawner, là. Ah bah, là, vous l'avez bouché, d'accord. Vous êtes déjà dessus. Ok. D'accord. C'est bon. Ok, où est le spawner? Ah, il est là. Mange, Rick. Ça a de la bouffe, oui. Oh la vache! Il a une capote sur moi! Ah là 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 là! Panique! Ah, elle m'a touché l'enfoiré! C'est pas grave, je vais survivre, hein, mais voilà, je mange à fond. Il faut vraiment poser des torches. Je peux les poser ou quoi? Je peux. Bah, attendez, j'attends que ma vie remonte. C'est bon. Ok, les torches. Vite. Faut casser les fils et me foutre des torches. Faut casser le spawner, sinon c'est pas grave. Mais... Non, c'est bon, regarde, on y arrive, regarde. Voilà, elle est blindée là. Tu vois? Bon, c'est bien, mais ça doit encore pouvoir pop, hein, parce que j'ai pas mis partout. Il manque le tour. Faudrait qu'on puisse casser là, ce qui est en bois là. Encore une araignée qui traîne, hein. Elle... Ouais. Ouais, mais c'est peut-être une normale. Enfin, encore qu'elle fait un bruit bizarre. Derrière vous, méfiez-vous qu'il n'y ait pas un creeper. Hein. Parce que là, vous marchez, mais il y a Farah qui s'enfonce dedans. Ouais, c'est bon. Araignée. Ouais. Voilà, cette fois, c'est bon là. Là, le spawner, il est clean. Il pourra plus repop, bien sûr. Hein. Alors, par contre, là, tu vois, je mets des torches sur le côté, ça va pas. Je vais mettre au milieu plutôt parce qu'on sait plus d'où on vient. C'est bon, ça va mieux. Alors, par contre, il y a beaucoup de zombies derrière. J'ai l'impression qu'il y a un. Est-ce qu'on aurait pas un truc intéressant derrière? Je vais aller voir. C'est au-dessus. Ha! C'est par là, hein, on est d'accord, hein. C'est au-dessus. Ah, stop! Ici, stop! Attention parce qu'il y a du monde là. Et en plus on est en contrebas donc là c'est très dangereux. Oui, il y a les archers. Là je pense voir quelque chose qui ne plaît pas. On va peut-être casser un petit peu au-dessus, attendez, parce que là c'est quand même dangereux là. Oh là, attends, peut-être pas trop. Il y a un spawn d'araignée au-dessus. Juste au-dessus. Oh la vache, j'ai pris cher là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Farah, salaud. Eh, tu casses le spawner ou tu le torches? Je suis en train de mettre des torches là. Ouais, attends, j'ai entendu l'araignée aussi au passage. C'est bon, elle est morte, l'araignée est morte. Vite, foutez des torches, hein. Si vous pouvez. C'est bon, j'en ai mis deux. Derrière moi, y'a rien? Non, y a une chauve-souris. Y'a encore une. Deux araignées là. Deux araignées, mais elles passent pas. Yes, on peut les taper sans qu'elles passent. Ah bah, j'ai pris cher. J'ai dû toucher, mais c'est pas grave. Y'a plein d'araignées qui pop là. Y'a plein d'araignées qui pop. Y'a pas moyen de. Alors déjà protéger derrière parce que sinon on va se faire avoir. Voilà, là je mange. J'ai presque envie en fait de mettre juste ça pour éviter que ça vienne. Ah, ça spawnera plus, j'ai torché et tout. Oh putain. Attends, ça spawnera plus. Ouais. Là. Il y en a encore une là qui est en l'air. Je la tue. Voilà, c'est bon. Là au moins c'est réglé. Ça va, on survit mieux aux araignées là qui foutent la merde. Voilà. Ouais, parce qu'il y a un endroit où t'as pas mis, enfin. Derrière, j'ai pas su passer, ouais. Ouais, voilà. Voilà, là, on est d'accord, là, ça ne spawnera plus, là. Voilà. Alors, il y a encore une araignée qui se balade. Là-bas, j'avoue l'araignée. Là. Il y en a deux. Non, tu m'auras pas. Trois, il y en a trois. C'est tendu. Ah, bah, j'ai pas touché, c'est bon. Okay, attention à votre vie, il me reste une à droite, Rick. Juste cette à droite. Alors, en face aussi. D'accord, elle est morte. Ok, stop. Il me reste une là, non? Ok, elle a bougé. C'est bon, ça va mieux. Je sais pas si je vais survivre.
Non, mange à fond, Rick, mange à fond. Tant que tu ne fais pas toucher. J'ai mangé à fond, justement. Tant que tu ne fais pas toucher, tu peux pas descendre sous zéro. Ok, c'est bon. Donc c'est ça au moins le petit plus de ce cas. J'avais un demi-cœur, mais je pensais que ça remonterait pas. C'est bon. Ouais, là, il y a un coffre aussi. En fait, on n'a pas trouvé de bibliothèque et tout, mais ça, je pense que les bibliothèques, c'est... Non, mais c'est dans les forteresses, ça. Ouais, c'est ça. Bah, attends, on va mettre ça avant que ça spawn. C'est jamais... Là, un coffre. Voilà. Suivez-moi, c'est pour, pour un coffre. Ça va, Rick? Ouais, je suis descendu d'un étage, il y avait un trou. Non, mais je veux dire, ta vie. Ouais, ça remonte tout doucement. Voilà, c'est, tu vois, c'est ce que je pensais. Il fallait que... Là, ouais. Un coffre, là. Je vais te couvrir un petit peu, puis voilà. Le coffre. Ici, là. Oula. Farah, il faut que tu viennes, il y a une pomme en or. Là, il y a tout là, de la pisse. Hein. Je prends la torche, mais du coup, ramasse les, voilà, les autres trucs. Est-ce que. Alors, je vois, il y a déjà. Attendez, moi j'ai de la terre sur moi, je vais mettre de la terre. C'est plus facile à casser. Et on va y aller. Parce que là, je vois, il y a du métal là, ça m'intéresse. Si on peut ramener un ou deux sacs de métal, ce serait cool quoi. Et j'entends de la lave pas loin. J'ai peur parce que là il y a des chemins là un peu partout là. Aïe. On a du diamant là-bas. Ah bah, on a besoin de banque. On a du diamant ici là. Non, mais c'est banque qui a la pioche, tu sais. Faut descendre là et c'est de l'autre côté de la lave. Alors banque, tu vas nous dire combien il y avait de blocs à la base et combien t'en as eu avec ta fortune. Oui. Ici Gadu. Derrière toi. Non mais en fait moi je ferme en même temps le reste. Hein. Ah ok. Ah bah. Peut-être qu'on se rejoint au même endroit là parce que tu parlais de lave, mais je pense qu'on parle pas de la même lave. Attends, j'ai encore formé ici, là, un peu de métal. Déjà, premier coup de pioche, j'en récupère deux pour un bloc. Ça c'est cool ça parce que le diams là on est un peu juste aussi. Hein. Deux blocs minés, j'en ai six. Ça c'est bien ça. T'en as eu quatre avec le deuxième. Trois blocs minés, j'en ai dix. Ah ouais, là c'est génial. Il y en a combien de blocs? Et du coup, on met 4 blocs, 11. Ah bah c'est super. Rentable hein. Ah bah il faut qu'on continue à fermer dans ce coin là, hein. Tiens la piste là aussi, attention. Poussez-vous, parce qu'il y a peut-être là-bas en dessous. Voilà, pareil pour celui-là. On va rester un petit peu dans le coin, je pense. Sur le lapis, un bloc miné, j'en ai 21. Ouais, alors par contre en fait t'aurais dû fermer en fait le métal aussi, puisque t'étais là. Non, le métal ça ne marche pas. Ah, d'accord, ok. Ça marche sur la redstone, sur le lapis. Tiens, regarde, il y a de la redstone aussi là si tu veux. Voilà. Là, il y a du métal que personne n'a pris. Il y a de la ration encore là-bas, mais ceci, la ration, on s'en fout un peu en fait. Est-ce que ça multiplie aussi par 3 l'XP que tu Non, l'expérience reste identique. Non, hein. Rien à voir, d'accord. Le charbon, tu veux le. T'as envie de le faire fortune aussi? Non, on en a. Ça va. Ouais, le charbon, c'est pas vraiment un problème, je suis assez d'accord. On le ramasse qu'une pioche normale, c'est que je veux dire, voilà. Je sais pas, bah, c'est ça, oui. Pour ça. C'est vrai que fortune, c'est pas mal. Hein. Dans le cas du diamant, quoi. Ok, ben voilà, c'est pas mal ça déjà. Par contre, je crois qu'on a fait le main shaft, je pense qu'on l'a fait plus ou moins entièrement. Hein. Voilà. Par là, il y a encore une zone noire, hein, sur le main shaft, ici là, montez là, où je suis là. Ici, d'ailleurs. Ouais, vas-y, montre-moi, Farah, moi j'y vais. Ici, et par là, c'est encore une zone assez sombre, regarde. Ah oui, effectivement. On va aller voir. Alors j'éclaire, là je vois rien. Est-ce que ça va être bouché au bout? Oui, c'est bouché au bout. Il y a une planche là, qui traîne par terre, très bizarre. Est-ce que cette planche? Ouais, ça a été bouché. C'est peut-être. Non, mais il y a du bois donc peut-être. Mais à mon avis, je pense qu'on l'a pas fait. À mon avis, je pense qu'on n'a pas tout fait parce que c'est plus grand habituellement les mineshafts. Hein. Ça dépend. Ouais, moi j'en ai vu plus. Ça dépend, oui. Franchement, ça dépend. Ouais, métal derrière en plus, ça c'est cool ça. Allez, on y va. Seal touch aussi, ça pourrait être intéressant aussi pour certains. Ah trucs. Oui. Mais ouais. Juste pour le fun en fait parce que... C'est le touch, tu mets dans tout main, c'est le touch, tu peux miner tous les blocs et casser avec fortune à la maison tranquille au sec. Ah oui, pour multiplier effectivement, pour pouvoir stocker moins de... Effectivement. Oui. Effectivement, ce serait intéressant. Bah, du coup, oui, c'est comme... Je crois qu'on a tout fait là, les gars. Je crois qu'on a tout fait. Je vous propose d'aller... de retourner en fait en dessous là pour miner autour des blocs de lave, c'est un truc que je fais beaucoup ça moi. Je sais pas pour vous. Parce que des fois les blocs de lave. Alors soit on met de l'eau dessus, on s'embête pas, hein, comme ceci. Ça va être réglé.
Ça nous évite d'aller jusqu'au bout. Et après, il n'y a plus qu'à miner tout autour. Parce qu'en général, au bord, bah du coup... Alors attention à pas tomber dans la lave, parce qu'il y a un petit trou de lave là. J'entends des zombies. Ah, alors ça m'intéresse par contre. Parce que les grottes au niveau de la lave. Il y a des endroits qui sont pas encore finis d'être explorés. On peut partir un peu vite d'ailleurs. Alors je reviens vers. Là. Là, c'est-à-dire. Ici là. Bah pourtant on vient de le faire avec Farah ça. Ben non, mais. J'ai... Là, ici là. Ah oui, effectivement. T'entends effectivement. Le... Ouah, ouah, ouah. Non mais un... Attends, derrière, il y a quoi derrière là? Ouais, il y a encore... Oula, oui, effectivement. Tiens, encore un coffre. Ah ouais. Oula allez. Il y a un M-Tag dedans, ça c'est bien. Pas mal. J'ai un lingot, j'ai plein de pain. Et après, il y a plein de rails. T'arrives, je suis derrière toi. Ouais, ok. Tu vois où je suis? Ouais, c'est bon. Parce que là, il y a plein de rails et après, faut péter le... Méfiez-vous que là où vous minez, parce qu'il y a de la lave dessous. Hein. Ouais, bah on est au niveau. Attention. Ok. Droite et à gauche, c'est bon. Là, il y a de l'or, là. Ça, c'est bien, ça, l'or aussi. Parce que l'or... Je sais pas si on en a beaucoup de l'or. Non, on a pas tant que ça. Hein. Si je dis pas de bêtises, on n'est pas blindé niveau or. Hein. Mais un main shaft au niveau de la lave, en général, c'est super foutu. Hein. Oui. Ah, coup, j'ai des diamants. Ouais, tiens, voilà, pour banque. Pour j'arrive. Banque. Je vais boucher cette flotte là qui coule là, qui m'énerve. Voilà, fini. Derrière toi, banque. Faut gaffe au trou là, qui est au-dessus, hein. Ouais, parce que là c'est... On revient... Ici. Derrière toi. Ah. Ouais, si tu peux le boucher, carrément. Alors, ma pioche Efficiency 2 est en train de mourir. Du coup, je vais prendre Efficiency 1. Il faut miner au-dessous parce que si c'est de lave en dessous. Ça c'est fait. Gadu, c'est vraiment c'est que c'est un truc, un tronçon simple en fait. C'est qu'un tout petit tronçon en fait. Bah ouais, bah y a des fois. Il faut le torcher. Il y a du gravier, il y a du gravier au bout. Ah non, c'est de la pierre. Non, c'est bon, non, tout est fermé. Ouais, tout est fermé. Ouais, il n'y a pas de lave. Alors on part de 11. Comptez avec moi. Apprends à compter avec banque. C'est ça. On va faire des cours pour les tout petits maintenant. Bah, de rang, je suis passé à 24. Avec combien 4 blocs. Oh la vache. Bah, c'est vrai que c'est intéressant parce que ton c'est sac abusé. Là, tu vas l'avoir aussi. C'est abusé quoi. Tiens, par là, Farah. Rien n'est pas par terre, c'est normal. Sans toucher la lave. Attention. Y'a un creeper. Gadu, ça continue par là. Hein. Il est tout au-dessus encore, Farah. Ah mais viens, on finit ce chemin là avant. J'avais qu'il y a autant finir le couloir là. Bah au-dessus là en fait il y a une faille carrément. Mais on va finir d'abord ce côté là, effectivement, t'as raison, sinon on part à droite à gauche. Je pense on qu'on se disperse et puis... Ça sent le squelette qui arrive là pour info. Là. Je regarde bien au plafond si c'est pas... Ah, ici. Et cul de sac. Ah, efficiency 1 du coup c'est légèrement plus long. Évidemment. Non, il y a encore des caves encore là. Là où je suis là. Par là encore des trucs là. Oula! Oh, excuse-moi, Gadi, c'est moi. Ça m'a fait peur, je me suis retourné là. Il m'a fini un coup d'épée, cet enfoiré. Il a abîmé mon armure! Et fait une gaffe. Ça donne de l'XP en plus, hein, pour info. Par contre, ça, faudrait peut-être se regrouper les stacks si on n'est pas trop chargé, parce que moi je commence à être pas mal. Et un peu de métal encore là, tiens, je prends. Ah, on a un peu de redstone, je prends. Souvent quand c'est groupé comme ça finit par du diamant. Hein. Ah non, justement. Ouais, ou alors tu finis dans la lave. Ouais, aussi. Ouais, il n'en reste pas, hein, c'est bon. Ok, donc là il n'y a plus rien au bout. Hein. Ok, c'est bon. Ok. Demi-tour, maintenant on va remonter, Farah. Alors moi j'ai vu un passage ici, là. Il y avait un passage en hauteur par là. Juste derrière nous. Voilà, j'ai entouré de lave et c'est juste derrière la lave. Voilà, par ici là. Par ici, il y a un endroit où tu peux. Allez, par là, regarde, là. Alors là, par contre, là, on a encore un dédale. Hein. Oh putain, oui. Oh putain! Alors, je crois ça a explosé le coffre, mais c'est pas grave. Il s'est juste vidé de son contenu. Par contre, là. Il y a encore des bestioles là. Oh là! Allez, voilà, lui il est mort. Alors, faites attention où vous allez parce que là. Torché, hein.
Et encore un coffre là. Y'a quoi dedans? Alors lapis lazuli à fond, y'a encore plein de rails, Phara. Je suis là. Les torches, je peux les prendre, parce que j'ai plus de torches, même tag. Faites gaffe que là-haut, ça, c'est, à mon avis, c'est pas exploré, et il peut y avoir des creepers qui vont tomber sur la gueule. Ouais, je suis bien d'accord, ouais. Mais faut déjà ramasser les rails, voilà. En plus, limite, on joue en... ça pue du cul, quoi. Mais violent, ouais. Quoi. Là, on a mis des torches, déjà, comment ça se fait qu'on a mis des torches? Ah, méfie-toi, Phara, parce qu'il y a la lave. Oh, bah écoute, je suis tombé juste sur le... la lave que Gadu a couvert avec de l'eau tout à l'heure. Si j'étais mort, sinon. Ah, je sais pas si c'est moi en fait, j'ai un doute. Mais y a des torches, c'est super bizarre. Ouais, et là y a l'escalier, bah d'où on vient, voilà. Y a un escalier qui a été fait là. Je crois que c'est d'où on vient, hein. Là, j'ai un doute. C'est pas éclairé jusqu'au bout. Alors, Phara, oh là, creeper, attention. Alors, j'attends qu'il arrive. Gadu, recule-toi. Je vais faire défoncer, vas-y. Fais gaffe. Oh, fais gaffe, le salaud. C'est bon ? Voilà, c'est bon. Ok, parce que celui-là, il nous pète à la gueule, il va pas le faire, hein. Merci pour l'XP, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Allez, on a un creeper, attention. En face. Ah, raté, attends. Voilà. Et si on a un lag, on est mort. Hein. Oula, attends, il y a beaucoup d'araignées là. Alors là, il y a beaucoup de toiles. Je pense qu'il y a un spawner. Sous l'eau. Je pense qu'il est sous l'eau le spawner. Là, il y a une araignée devant moi. Hein. Ouais, mais c'est très bizarre parce que là, il y a vraiment... Ouais, mais reviens ici, Gadu. Ouais, à mon avis, t'as un spawner devant. Voilà. Je les ai bouchés un petit peu, voilà. Oh la vache. Saleté. Elle m'a touché. Oh, c'est pas grave. Je vais descendre, je vais remonter, c'est pas grave. Voilà. Je pense que là, en fait, là-bas... Alors là, peut-être qu'il y a un spawner à zombies. Ah non, il y a que deux zombies. Voilà. Oula. Non, c'est encore pour moi, ça... T'as été touché ou quoi, Phara? Non, mais il doit y avoir un spawner araignée devant. Ah, c'est évident. Ouais, on le voit. Bah oui. Il faut casser tout ce qu'il y a avant, en fait. Le problème, c'est qu'il y a... C'est pas dit qu'on n'ait pas encore des saloperies à droite et à gauche. Hein. Oh, j'ai eu peur. Ah, ouais, bah, super. Okay. Ouais, alors, super. Alors mais là, on dit bravo, Phara. T'es mis devant au moment où j'ai tiré. Non, je me suis pas mis devant. Eh oh, tu me voyais très bien. Ah, maintenant, tu vas ramasser mon stuff, maintenant, Phara. Full. Et le problème c'est que pour venir, je vais jamais réussir. Là on est parti super loin. Je vais tenter, je dis bien tenter. Ah non mais si tu m'allumes en même temps, Phara, ça fait pas du tout là. Ah là tu déconnes. J'avais tué la première, je pensais que t'allais me laisser tirer la deuxième en même temps. Non, moi je voulais surtout boucher ou... Parce que vu que j'étais atteint, je me suis dit c'est pas grave, autant aller couvrir le spawner. Alors je vais tenter de revenir mais à mon avis je l'aurai pas. Là c'est clair que... À mon avis je vais remourir. Et en plus, j'ai dû ramasser tout mon XP maintenant. En plus, j'avais des sacrés niveaux. Hein. Salaud. Hein. Non, pas tant que ça, à mon avis. Non, mais je me suis pas avancé. Hein. Non, mais de toute façon, à mon avis, vu le niveau que t'es, ça va te remonter de 2-3 niveaux. Si je les prends, ça va remonter de 10 niveaux parce que je suis à 0, moi, à la base. Alors maintenant, pour retrouver où on était, alors là, on est parti à droite ou à gauche déjà? J'ai retrouvé du diamant. Derrière, je pense. Je pense que c'était derrière. Ça, on l'a fait après. Je suis avec Phara, mais je sais pas où tu es. Ouais, alors je devrais pas être trop loin. Alors si, là. Je te vois, Gadu. Ah, nickel. Ok. Par contre, là, il y a du. Je sais pas où t'es mort après, par contre. Hein. Ah bah, je vois Phara. Moi, j'y suis toujours. Ouais, moi, je suis toujours à côté. Je vois Phara derrière le mur, là, ici. Là. Je suis toujours à côté, Phara, moi. Phara, derrière toi, pète le sol. Voilà, merci. Théorique, je te voyais, mais là, je te vois plus. Que... Vas-y, ressort tout de suite. Ouais, mais j'ai plus d'épée sur moi là, il faut que tu tapes dessus. Hein. Le temps que je remette mon épée. Ah, et en plus, j'ai plus d'armure non plus. Et je peux pas me défendre là, hein, donc protégez-moi. Ah, merci. J'ai refermé. Il manque un peu de stuff là encore qui reste. Ah, il manque du stuff. Il manque mes godasses. Attends, faut que j'en prenne de la bouffe. Voilà. Ah, dans un premier temps, ça évitera de mourir comme un con. Je vais essayer de réorganiser mon stuff rapidement pour me remettre bien. Voilà, ça sera déjà pas mal si je fais ça. Voilà. Il faut que j'aille chercher absolument mon pantalon. Et torcher ce truc là. Donc attention Phara. Non, Phara rate pas par contre. Ah, c'est bon. J'étais laté ou quoi? Non, ça va. Il faut qu'on passe là. Et en plus il y a mon stuff qui reste, donc il faut que j'y retourne. Hein. Ah là c'est lag là je pense. Non c'est bon. Ouais là, c'est moi qui prends encore mais c'est pas possible là. Pourtant je l'avais toujours avant qu'elle sorte hein. Ouais mais ça a lagué. Il faut qu'on passe, faut péter ce bloc là.
Attendez. Je suis désolé, mais là, il faut vraiment qu'on passe. Voilà. J'ai rien pour équiper mon stuff. Ressort, Gadu, ressort, ressort. Non, mais il faut aller le faire, là, le truc, là. Pourquoi vous y allez pas? Il faut aller le couvrir, absolument. Deux araignées, deux araignées. Je suis encore atteint. Attention à vous, attention à vous. Ah, merci. Ok, il y a une araignée encore dans le coin, pour info. Hein. Juste dans le coin à gauche. Je retorche encore. Voilà. Là, elle est là, elle est là, la saleté. Voilà. Elle est où, là, cette saleté, là? Elle est morte? Elle est morte. Il y a un joué. Je l'ai tué. Bon. Alors, je suis revenu niveau 9, mais c'est pas trop grave, au pire. C'est bon, c'est torché partout, c'est bon. Nickel. Bah, alléluia, hein. Tu avais dû récupérer des flèches, peut-être? J'ai 10 flèches, en vrai. Il y en a une au-dessus de ma tête, regardez pas. Tiens. Flèche. Prends les flèches, attention. À droite. Voilà. Voilà. Ok, bon, on a survécu à ça. Combien de diams au total? J'en ai retrouvé encore des diams, hein. Attends, il y a une araignée ici, là, au plafond, là. Elle nous attaque même pas. En j'en ai 24, maintenant. Il sait qu'il y a une araignée au plafond. Ça, on va ramasser aussi, là. Voilà, tu disais 24, il y a... Pour l'instant, j'en ai 24 et Rick en a trouvé encore, il faut qu'il m'amène. Ah mince, excusez-moi, là, c'est de ma faute. Voilà, on a de l'eau. De ma faute. C'est bon. Les bougies vont pas sauter, non? C'est bon. Si, elles vont sauter, bah si, elles vont toutes sauter, je sens. Alors, il y avait... Ils ont pas... Ici, c'était bougé, là, pourquoi? Il y a rien, là. Bon, bah voilà, bah, on a fait le tour, hein, je crois, hein, cette fois. Rick, il m'a... Ouais, il m'a dit qu'il y en avait encore, là. On va chercher les derniers. Attendez, ici, là, où je suis, là? Oh, un Enderman! Alors, juste où je suis, est-ce que vous voyez où je suis? Au bout du couloir. Revenez là où vous étiez, c'est juste derrière vous. Il y a un chemin avec plein de rails. Ici, là, voilà. Ici, là, au-dessus, là, il y en a plein. Il y a un Enderman, donc je vais pas aller l'embêter. Faites attention à vous, ne meurs pas, Farah. Je m'occupe des rails, moi. On paraît qu'il meurt avec l'Enderman? Ah bah il y a tout un compartiment inondé. Putain, on revient vers une grande salle, ça peut tomber, ça peut nous tomber. Oui, elle est très grande, hein. Oh là là, ouais. Ouais, mais le but c'est d'avancer. À moins de grandes lignes. Hein. Si on fait pas des grandes salles, on fait plus rien en fait. Enfin... Ah, hop, ici. J'ai combien de... Ah oui, j'ai 58, presque un stack. Oula, un peu ce bruit là. L'Enderman que j'ai tué. Alors, ramasse les coups de bordel. Là, déjà, il y a encore. Du métal. Encore du charbon. Alors, charbon, je pense qu'on. Cette fois-là, on va être bien, là. Oh là, par contre, là. Oh là, il y a une pièce en dessous. Il y a une pièce en dessous, pas découverte. Farah. Méfiance, méfiance. Il y a plein de rails. De précaution, s'il vous plaît. Ouais, eh ben c'est là où je voulais aller. Bah voilà, c'est la salle que j'ai découverte. Ah bah voilà, bah parfait, bah allons-y. Hop. Là il y a le diamant. Un diamant dans le mineshaft. Oui. Allez, Creeper de l'autre côté, attention. Creeper, Creeper, attention. Creeper, Creeper, ici. Attends, là c'est la glo ou c'est moi? Non, c'est bon. Tout le monde voilà. Se barre dans ces cas-là. Et t'as, il est coincé dans le... Attention. Ah c'est bon, nickel. Il n'y a pas d'autre? Alors attendez, là il y a d'autres choses en dessous là. Je vais poser des torches. Viens ouais, ici. Non mais c'est bon, déjà au moins ça pop plus. Non, parce que j'entends le cri d'une sorcière quelque part. Moi aussi. Là moi j'entends le cri du diamant. Hop. Alors il est où le diamant là? Oula. Juste là. Ouais, mais pareil. Bah, on va creuser pour la lave. Tu as une quête dessous? Je fais toi faire, hein. Ah il est là le diamant, c'est. Effectivement, faut mettre de l'eau en dessous parce que là s'il y a que deux blocs. Stop, attention, ouais. C'est bon? Combien il y en a eu là? Ouais, c'est bon. J'en ai 31, mais je crois que Rick en a récupéré. Hé! Hey, il y a encore un niveau en dessous là. Banque. Il y a un niveau en dessous. Ouais. Vas-y, nickel. 36. 36, ah ouais, quand même. Ah, mais c'est abusé. Il y a du fer là, je peux prendre le fer. De l'or, il y a de l'or, je crois aussi. On va revenir bien, bien fait encore là, je crois. Hein. J'ai du charbon que je peux plus ramasser, je crois. Dis, on a encore une voix ici. Hein. Ouais, je sais. Attends, il y a une araignée là qui est pas loin. Pas une araignée, une sorcière. Oui, j'entends. Elle se fout de notre gueule, je crois. Je pense que c'est derrière là. Je pense qu'ils sont derrière. Attendez, j'ai reposé mon andésite là qui me saoule. Voilà. Parce que je peux plus ramasser sinon.
je pense que je vais crever parce que je suis sûr que la sorcière est derrière moi, elle va me tomber dans le dos. Soit ça, soit un creeper, tu vois. Non, c'est bon. Gadu, on a encore tout un carrefour ici où on n'a pas encore ouais, visité. Ouais, je sais, l'étage en dessous là, tu parles. Ouais. Ouais, je suis en train de venir là, je vous vois. Et franchement, vous avez pas voulu miner l'or qui était à côté, et si. Derrière l'or, il y avait du diamant. Où ça, ici. Là, Gadu. Mais si, je l'ai miné l'or, remonte. Moi. Remonte, là. Bah, je l'ai pas vu alors, parce que. Attends, je peux plus rien ramasser là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais plus ramasser? Je suis full. T'as sûrement des blocs que tu peux jeter du caillou par exemple. La terre notamment. Ah oui. Mais là je ramasse. C'est quoi ce bordel? Ah, ça va. Voilà, c'est bon. Oui, là, la banque. Là ici, il y avait de l'or ici. Bah, j'aurais ramassé alors. Et combien de diamants oui, là? Derrière l'or, il y a quoi? Du diamant. Et t'en as eu combien? J'ai pas ravi encore. Je vais éclairer la pièce là parce que. J'ai pas trop laissé de pièces comme ça. Là, c'est... Alors soit c'est un bug de génération, soit c'est comme ça les mineshafts qui se font comme ça. 42. 42 au total. J'en ai eu 8 de plus. Encore? Ouais bah dis donc. On se met bien. Ah bah là je confirme là. Il y a du charbon, on peut même plus ramasser le charbon tellement on a de stuff là. Qu'est-ce que je vais jeter? Tiens ça, le wako machin là c'est bon, stop. Bon bah parfait. Je pense que cette fois on a fait à peu près le tour hein, du mineshaft. Enfin je dis cette fois, ça se trouve ça continue. Il y a la bedrock là effectivement. Il y a la bedrock. J'entends un bruit de flotte derrière. Et ça c'est pas bon signe parce que c'est un coup est-ce que la lave tombe sur la tronche, tu vois. Je sens la lave derrière. Creusons doucement s'il vous plaît, hein, parce que là sinon faut vite foutre le camp. J'avance un peu plus Rick pour être sûr. Ah c'est là, stop. Stop, non, après... J'ai plus de bloc. Donc ça veut dire qu'il y a un champ de lave juste au-dessus. Est-ce que vous voulez tenter le coup de passer autour ou je sais pas. Non, on s'arrête là. Ça déjà pas mal. On rentre à la maison ou pas? Allez. On peut rentrer à la maison. On a un champ de lave, ouais, effectivement. Faut déjà qu'on arrive à rentrer à la maison. Et ça c'est pas gagné, hein. Parce que je te dis, là, on est parti je sais pas où. Ah oui, avec les torches par terre. Non, les torches par terre, c'est pas grave, parce qu'elles n'indiquent pas... Elles sont en fin de chemin. Elles n'indiquent pas où aller. Il faut juste avoir les torches à gauche, et ça par contre, on les a pas toujours. Par là, est-ce qu'on a les torches à gauche? Attendez, là par contre, il y a pas mal de choses découvertes, vous avez pas fini. Pourquoi vous prenez pas la redstone? Là, il y a encore des choses ici, hein. C'est-à-dire? Où ça? Là, je suis là. J'ai trouvé de l'herbe, là, il y a de l'herbe ici, c'est quoi ce bazar, là? Oh putain! Rick a fait tomber de la. Du gravier, j'ai tout pris dans la gueule! Mais non, mais j'ai tapé dans une toile d'araignée! Apparemment. J'ai fait poussière! Apparemment, elle retenait du gravier! Attendez. Mon tout là. Je ramasse à fond du. C'est ici que Gadu a mis. T'as enfermé la lave ici, c'est ici que t'en es passé tout à l'heure! Torche à droite, c'est pas bon hein! Torche à droite c'est pas bon, ici il y a des toiles d'araignée en haut mais Ah il y a encore du métal, attends, métal j'ai envie de revenir avec parce que j'ai qu'un tout petit stack de prix là, enfin, un petit dans mon inventaire. Voilà. Donc, faut mieux prendre le métal quand même qu'on trouve au moins sur le chemin. Ah c'est où maintenant, mince. Effectivement je sais que je suis passé là mais Ah, ça, j'ai peut-être trop posé des torches. D'où l'importance de bien respecter les torches. Ouais, mais. Sinon, il y a une solution. Non, hein. On sait pas. On creuse en remontant. Je les ai mis soit en. Au sol. Ah, là, ça me dit quelque chose, là, on remonte. Là. Ouais, mais attends. Là, c'est juste. Oh, un zombie. Ah, c'est Creeper. Attention, Creeper. Voilà, c'est bon. Alerte. Parce qu'il y a encore des trucs au bout là-bas. Là. Oula! Attendez, il y a encore du mineshaft là. Oula! Il y a même plein de mineshaft encore. Effectivement, il est grand. Hein. Faites attention aux creepers qui nous tombent sur la tronche. Mais regardez au-dessus. Regardez au-dessus comment c'est fait. Il y a des ponts et des ponts de mineshaft. Ouais, en fait, on est très loin de l'avoir fini, en fait, ce mineshaft. Par contre, il y a plein de métal. Et moi, je vais me gaver. Hein. Jusqu'au bout, quand même, parce que... Je vais voir où ça donne. Bah, il n'y a rien au bout. C'est fait. Par contre, il n'y a rien. Il y a du métal.
Mais je pense que le métal, ouais, ça va être un truc de fou. Hein. Ce qu'on va ramener, je sais pas pour vous, mais moi j'ai deux stacks. Enfin, je vais arriver à deux stacks, je pense. Donc on va être bien, voilà. Vraiment très très bien. Et on avait besoin puisque on avait plus un stack de blocs de métal. C'est ça. C'est ça. Lui est toujours là? On est toujours là. Je vous entends plus, j'aime pas quand je vous entends plus comme ça. Ça sent le fail. Mais comment on fait pour remonter maintenant? Parce que n'empêche qu'on n'a pas résolu notre problème pour rentrer. Je crois que c'est quand même assez rare qu'un mineshaft arrive jusqu'à la couche de la bedrock. Oui, totalement. Totalement. De la bedrock déjà, du diamant déjà, c'est rare. Ah oui. Et de la bedrock, c'est vraiment très rare. Parce que là, dans notre petite expédition du soir, là, j'en suis à 59, quoi, diams. Hein. Et là, il y a encore une zone, là. La vache, un squelette, attention! Non, ce n'est qu'un squelette, mais... Oh là, mais... Ah! Mais attends, y a personne pour tuer ce squelette à la con, là? Non, il est mort, mais... Pas possible, ça! Farah, il y a des flèches, si tu veux. Parce que là, en fait, j'ai trouvé une nouvelle zone, encore. Ah, là, il y a carrément un lac de flotte. Avec le... Oh, un creeper au-dessus! Saleté. Il est tombé dans la flotte. Ah, le salopard. Ah, bah là, alors... Ouais, c'est bon, il m'a vu. Il est dans l'eau, donc voilà, ça va rien faire. Parce que ça, c'est fatal, hein. Les creepers qui tombent du plafond, comme ça. On l'a vu tout à l'heure avec Farah, hein, Farah. Un jour, Rick, par contre, ici, on a encore trouvé tout un conduit. Hein. Il y a de l'or, là, de l'or. Rick, ça s'enfonce par là. Hein. C'est tout un mineshaft encore ici, en haut. Yannou, si tu veux revenir dans le truc principal, là, on a fait un petit escalier, on est monté à l'étage. Non, mais en fait, moi, je suis dans la faille. Les mecs, je sais pas ce que vous ratez dans la faille, mais il y en a de partout. Hein. Par contre, ah bah là, nous aussi, on en a partout là. Là, on en a partout, et puis on a des rails dans tous les coins. Je pense qu'on va peut-être se laisser. On a choisi le bon village. La vidéo, sinon, va être très très longue, pardon. On va plutôt se laisser ici. Puis nous, on va terminer gentiment le ramassage de stuff là, et puis on va rentrer parce que je pense que vous verrez pas le retour. Et j'ai pas envie de faire une deuxième vidéo là-dessus parce que ça va être chiant pour vous, je pense, les viewers. Donc, on va s'arrêter ici. Juste terminer ce filon de charbon, j'aurais pu ramasser, non si c'est bon. Et tout ça grâce à la mission sauvetage de Huawei. Ah bah ça... De toute façon, on aurait fermé dans le coin. On est encore là. C'est incroyable. C'est une faille, quoi. Une faille souterraine. Elle ne va même pas à la surface, mais... c'est une faille, quoi. Tiens, bah, j'ai plus de pioche. Ça s'est fait. Ceci dit... Et c'est là où est tout l'intérêt du truc. C'est que je vais pouvoir en faire une facilement. Voilà, comme ça, là au moins, je vais ramasser les bâtonnets derrière. Bon. Donc je disais, je vais terminer donc ce filon là, je vais rejoindre les autres et puis on va rentrer parce que, enfin, faut arrêter d'explorer parce que de toute façon mon stuff va être full. Moi, je sais pas pour vous, hein, mais moi c'est. Alors après, il y a des trucs que je peux jeter, mais j'avoue que j'ai pas trop envie de les jeter. Les wagons, par exemple, ça, c'est quand même pas mal de métal, hein, les wagons. Non? Les wagons, ouais. Ben c'est 3 et 2, 5. Ce que je peux faire, par contre, c'est ça. C'est combien de blocs de coal pour faire... Non, pas ça. Pour faire... Pour faire un bloc de coal. Ben 9. C'est 9. Oula, qui est mort? Non, personne, mais vous m'avez abandonné. Oh, on a abandonné. Je vous rappelle que c'est quand même moi qui ai les diams, ça. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Tu peux mourir, mais pas avec les diams. C'est ça. Mais par contre, c'est abusé. Je vois des pseudos. Ah, ça y est, je vois Gadu. Ah, t'as vu? Merci Gadu, parce que si je devais compter sur les autres. T'as pas de barré à chaque fois dans le sens inverse des autres. ouais, faut suivre. Voilà. Bon, bah j'ai 26 blocs de coal sur moi. Ce qui est... comme tu dis. Tranquille. Et attends, j'ai pratiquement 3 stacks de rails.
Attends, parce que le fer, je sais combien? Encore une nouvelle zone sombre. Un stack plus 38 et j'ai 10 or. Je vois la sortie. Non, mais je vois là. Ah. C'est par contre, il voit la sortie. Je vois la lumière du jour. Je suis à l'étage, Gadu. À l'étage, à l'étage. Attends, mais il y a encore du fer. Bon, bref, du coup, on va se laisser et on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Le jour est au-dessus de vous.